Que sommes-nous? En challenge, je vous attends. L'une d'entre vous recevra une fontaine de chocolat. Cela revient à celle qui va dessiner le mieux avec des feutres. Mais il y a une chose très importante. Vous devez dessiner avec la bouche et pas avec les mains. Bon, vous avez une minute et c'est déjà parti. Je dois gagner car je suis la personne la plus cool. Quoi? Tu vas perdre. Parce que j'ai le meilleur dessin. Bingo! Une fontaine à chocolat peut-être bleu? Bien sûr que non. Oh, je vais gagner. D'autant plus que je viens d'avoir une idée vraiment cool. Pourquoi souffler la peinture quand on peut simplement enlever le bouchon? Wow! Pourquoi j'ai pas pensé à cela? Il faut que j'essaye. Aïe, je tombe! Ah, t'as essayé? Ça a marché? T'as pas honte de toi? Tu ferais mieux d'aider ton ami et tu te moques de moi. Je vais te donner une leçon pour cela. Une simple plume fera l'affaire pour moi. Oh, hop, chier! Mais qu'est-ce que je suis censée faire? Maintenant, j'ai l'impression d'avoir une tomate. Oh, bien encore. Maintenant, Suzy va perdre la couture. Ah oui? Tu rigoles aussi. Alors, tu vas perdre. Tiens! Quel cauchemar! Pourquoi t'as fait ça? Et toi aussi, tu auras ce que tu mérites. Non, non, s'il te plaît. Les filles, le temps est écoulé. Voyons ce que vous avez dessiné. Julie, c'est quoi cette tache rouge? T'as renversé de la peinture? Probablement sur ton visage aussi. Suzy, pourquoi t'es aussi toute rouge? Vous avez tous mangé des tomates ensemble? Oui, les dessins comme ça ne peuvent pas gagner. Le travail de Mela n'est pas très bon non plus, mais au moins, ce n'est pas un désordre rouge. Mela, t'as gagné. Oui, maintenant, c'est tout à moi. Salut, délicieux chocolat. Nous voulons aussi du chocolat. Et nous allons en avoir. C'est tellement bon. Je suis tellement contente que j'ai gagné. Comme c'est bon. Hé, il est où le chocolat? Et vraiment, qui ose le boire? Vous n'avez pas honte de vous? Oh, allez, bande de voleuses. Cette fois, votre prix sera beaucoup plus original. Vous voyez ce mignon petit chien? Le prix n'est pas lui. C'est le caca qui reste de lui. Ah, vous allez devoir de nouveau dessiner avec la bouche. Alors, faites de votre mieux. Okay. C'est parti. Je suppose qu'il n'y a rien de plus facile que de dessiner du caca. Bon, commençons. Pour rendre le dessin plus authentique, il faut aussi ajouter une odeur. Je sais mais comment faire ça. C'est quoi cette odeur? Quelqu'un est mort ici? Ou est-ce que quelque chose est devenu périmé? Mais je crois que je me sens malade. Oups! Oh, je n'ai pas simplement lavé mes pieds depuis longtemps. Dessiner avec des pieds, c'est difficile. Dessiner avec des coudes, c'est bien une meilleure solution. Pas de problème. J'ai encore beaucoup de ces feutres. Oui, allez. Oh non. Je crois que c'est moi. Les filles, assez de dessins. Il est temps de vous montrer ce que vous avez. Voilà, regardez. Mais là, le caca est correct. Mais j'ai vu mieux. J'ai vu celui de Suzy, par exemple. C'est génial. Oui, je suis tellement content. Et le caca de Julie n'est pas très bon. Je peux voir qu'elle voulait perdre. Qu'elle en soit aussi.
C'est elle qui reçoit le vrai caca. Quoi? Mais ça me rend malade. C'est à cause de Suzy. Je ne mangerai pas cette odeur. Oui, tu dois le faire, c'est en règle. Quel cauchemar. Je vais faire comme si c'était juste du chocolat. Awesome. A-t-elle vraiment goûté le caca? Non, c'est vraiment du chocolat. Les filles, vous voulez pas aussi? Non, merci. Oui, ça va. Dans ce dos, votre prix sera... le poisson. Savoureux? Pas du tout savoureux. Eh bien, vous allez dessiner avec des sauces. Je pense que c'est assez amusant et inhabituel. Vous pouvez commencer. C'est parti. Je n'ai jamais dessiné avec des sauces auparavant. J'espère que je pourrai le faire magnifiquement. Il y en a beaucoup. Je vais avoir une si belle sélection. Mais pourquoi toutes les ordures sur moi? Je ne suis pas ta poubelle. Je pense qu'il est temps de s'y mettre aussi. Ça va être le dessin le plus savoureux que j'ai jamais fait. Je vais commencer par du ketchup. Et moi, je vais commencer par la sauce au fromage. C'est jaune, donc ça convient mieux à ce poisson mouche. Commençons. Wow, il y en a déjà plus. Il faut trouver le remplaçant. Oh, yes. Wow. Je pense que ça sort plutôt bien. Oui, j'ai du talent, moi. Oh non, même le dessin de Suzy est meilleur que le mien. Je ferais mieux de me dépêcher. J'ai 5 doigts, donc j'ai 5 pinceaux pour dessiner avec en même temps. J'adore. Je pense que c'est bon si je goûte un peu. Oh, c'est délicieux. Non, ce n'est pas suffisant, je vais manger plus de sauce. Mais là, est-ce que tu manges la sauce? Nous n'avons même pas de frites. Je pense que c'est la fin de ma sauce. Sur mon dessin. Voilà, j'ai tout gâché. C'est tellement bon. Oh non, j'ai mangé toutes les sauces. Maintenant, je vais perdre. Eh bien, le temps est écoulé. Il est temps de voir ce que vous avez dessiné. Il ne me reste plus qu'une seule option. Échanger des dessins avec Suzy. Oui, Sheila. Julie, t'as fait quoi? Ça ne ressemblait pas à un poisson. Ok. Mila, tu peux me montrer ce que t'as dessiné? Wow! Cool. Ça a l'air bon. C'est le meilleur dessin de sauce que j'ai vu jusqu'à présent. Ready? Suzy, tu n'as pas fait d'effort du tout. Alors, je suppose que je vais devoir te donner ce poisson. J'espère que t'as mangé du poisson cru. Moi, mais c'est de la triche! Ah ah! Quelqu'un va devoir manger du poisson méchant. Pourquoi c'est dégoûtant? Il peut être cuisiné. J'ai un brûleur. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Oh, désolé, je sais pas comment l'utiliser. Bon, je pense qu'il faut que je mette tout ça sur le poisson. Regardez comme c'est délicieux. Je peux enfin voir un vrai déjeuner. C'est bon. Les filles, le prix le plus mignon vous attend cette fois-ci. Et c'est ce chat très mignon. Vous devez faire le maquillage de chat. Celle qui obtient le meilleur obtient le bébé. Comme toujours, vous avez une minute et c'est parti. Je ressemble beaucoup à un chat moi-même, alors je n'ai pas besoin de faire beaucoup de détails. Suzy, tu te surestimes. Il est clair pour tout le monde que je vais gagner, moi. Oui, le nez est prêt et le reste, la moustache.
Bon, personne n'a dit qu'on peut pas utiliser le miroir. Je sais pas comment on peut faire du maquillage cool sans en avoir quand. C'est tellement plus facile avec un miroir. Je suis presque prête. Et je suis la meilleure. Oh wow! Mais là, regarde, Julie triche. Elle utilise le miroir alors qu'elle ne devrait pas le faire. Il faut lui donner une leçon. Oui, je suis d'accord. Je sais même exactement comment. Hé, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi tu fais ça? Ça va ruiner mon maquillage. Oh non, maintenant je vais perdre à coup sûr. Je veux aussi ce bébé mignon. Oh, j'ai une idée. Comment éliminer la concurrence? Suzy, t'es un peu en dessous de la réalité avec le nez. Si tu veux, je peux t'aider. Je serai heureuse. Maintenant, t'as l'air tellement mieux. Tu ressembles à un chaton. Merci beaucoup, j'ai toujours su que nous étions amis. Alors, décidons exactement qui obtiendra ce mignon petit gars. Julie, tu ne peux même pas regarder ça. Oh non! Suzy, qu'est-ce que t'as fait, toi? Nous ne sommes pas en train de jouer aux pirates. Quoi? Pirates? Oh, Milan! Rusé! Mais le maquillage de Mila, d'ailleurs, s'avérait très joli. Alors, Minou sera amie avec elle. Oui! Je vais t'aimer et te nourrir! Tu seras à moi! Ah, oh non! Je pense que Mila est allergique au chaton. Ce n'est pas grave, nous pouvons nous occuper de Minou nous-mêmes. Adieu! Oh my! Oh, Mila est toute rouge. Nous devrions appeler un médecin. N'est-ce pas, Minou? Comme elle est mignon. Waouh! Ça, je comprends. Oh, c'est pour vous, les filles. Celui qui le dessine, le mieux l'aura. Comme il est cool! Il est temps de commencer. Alors, je vais avoir besoin de pâte noire pour le contour. Oui, maintenant, c'est pas mal. Et maintenant, la garniture fraise à la framboise. Eh ben non, le chocolat, c'est mieux. Voilà, on n'a plus le temps. Comment ça? Mais bon... Oh, j'ai une idée. Ici, on met des pancakes sur une assiette. Oui, vas-y. Voilà, comme ça. Maintenant, on a un gâteau entier. Bravo, vous avez gagné les deux. Oui, félicitations, SB. Voilà, c'est pour vous. Merci. Une moitié de gâteau a l'air vraiment génial. Viens ici, ma chauve-souris. Je vais commencer par toi. Et moi, j'ai un cœur et une licorne. Miam. Quoi, c'est bon, ça? Je suis d'accord. Pierre, papier, ciseaux. J'ai gagné. Pierre, papier, ciseaux. Encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Un Pikachu volant, c'est votre nouveau prix. Vous allez l'avoir si vous dessinerez très bien. N'espère même pas pour la victoire. On verra ça. Je vais dessiner le contour. Et maintenant, je peux bien colorer. Je pense qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce que tu dis, chose? Enid de fait mieux? Eh ben non. Non, ça ne va pas du tout. Non, mais... Maintenant, je dois gagner. Allez, vive, on n'a plus de temps. Oh non! Regardez mon Pikachu! Vous aimez bien? C'est super, Need Wednesday. Vous êtes sûr que vous voulez voir ça? Alors voilà. Oh, quel cauchemar! La gagnante est Need. Oui, j'ai toujours voulu un Pikachu! Okay. Ouais, c'est tout est pour toi. Merci. Allons-y, on voit ensemble. Non, non mais pas ici. Oh non. Pense. Oh, sauvez-moi. Les filles, regardez. Qui gère. Oh, c'est mignon. Et voilà, commencez. Je vais commencer par le contour. Oui, j'arrive très bien. Non, je pense pas que ça y ressemble, mais je fais vraiment des efforts. Et qu'est-ce qu'elle a, Enid? Mon caméléon va être le plus beau.
Non, ça ne va pas du tout. Chose, vas-y, on fait des bêtises. Enid, salut. Salut. Qu'est-ce que t'as, toi? Chose, t'as été en la cuisinière? Génial, Enid. Regarde. Le temps, les filles. Moi, il faut que je retourne. Regardez. Enid, vas-y. Okay. Un moment. Oh, non, qu'est-ce qui se passe? J'arrive. Non, mais pourquoi mon pancake n'est pas... Non, ça ne va pas du tout. Wednesday a gagné. Enfin. Tu vas voir ce caméléon. Super. Elle correspond correctement à mon image. À mon look. Et en noir, il est même mieux. Oh, il est mignon. Oui, un nouveau tour. Cette fois-ci, vous allez dessiner cette robe magnifique. Commencez, les filles. C'est parti. Comment c'est beau? Non, je déteste cette robe. Je vais pas dessiner ça. Je vais juste lire un peu. Non, mais Wednesday, alors, c'est mieux pour moi. Quoi, chose? Non, ne me parle même pas. Je suis en train de lire, hein. Arrête, ne me parle pas de ça. C'est exactement ce qu'il faut pour une tenue chic. Alors, Enid, montre-moi. Avec plaisir. T'aimes bien? Non. Comment ça? Je sais pas. Et toi, qu'est-ce que t'as? Oh, wow, chose. Ça, je comprends. Génial. Wednesday, t'as gagné. Quoi? Non, s'il vous plaît, non. Voilà, attrape. Oh, la robe rose. Non, mais je déteste le rose. Oh, quelle pizza. Ça, c'est votre nouvelle mission. J'adore l'odeur. Mettez vos trouvailles, les filles. Avec plaisir, j'adore les pizzas. Je veux dessiner une part. Des tomates, des olives et la pâte. Youhou, ma pizza est prête. Il ne reste plus qu'à la retourner. Cool. Wednesday, qu'est-ce que tu fais? Non, mais je voulais savoir ce que tu dessines et je vais faire mieux. Voilà, je dessinais la pâte. Maintenant, le contour. Ensuite, la croûte. Ah, c'est tout ça? Bien sûr que non. Ensuite, je vais dessiner les ingrédients séparément. Les tomates, des olives. Vous n'avez plus de temps. Montrez-moi, les filles. Voilà. Cool, Enid. Wednesday. Non, mais Enid, t'as gagné. Cool. Non, mais attendez, vous n'avez pas compris. Voilà ma pizza. Ouais, la pizza du chef. T'as vu, Enid? Oh, wow! Oh, bien sûr, Wednesday, t'as gagné. Ouais! Félicitations. Bon appétit. Mmh, si je voulais la pizza. J'adore la pizza. Ouais, tu vas être mangée par moi. Mmh, c'est super bon. Oh, tout le monde, c'est du bon. Oh! Moi aussi, j'ai une part de pizza. Ah, il est bon.